Amis de la réalité virtuelle, bonjour. Aujourd'hui, je vais me rappeler les parties de Space Invaders de mon enfance. Je vais tester Shooty Sky Overdrive sur Oculus Quest. C'est un jeu que je vous présente en avant-première, car il ne sera disponible sur l'Oculus Store que le 2 juillet. Vous devriez pouvoir le trouver à cette date au prix de 9,99€, mais cela peut encore bouger d'après les dires du développeur. Petite précision, il est proposé en achat croisé avec la version Oculus Rift. Vous pourrez donc y jouer aussi en mode Oculus Link si vous êtes équipé. C'est donc un shoot'em up très coloré et ludique qui apparaît lors du lancement du jeu. Très rapidement, on se retrouve dans un petit tutoriel pour apprendre les bases du gameplay. Le jeu se déroule dans une pièce de taille moyenne où l'on se déplace en room scale. On tient un avion dans la main droite qui se manipule un peu comme un pistolet. Pour progresser, il va falloir lui faire éviter les tirs ennemis tout en détruisant des hordes de machines d'arcade et autres bizarreries qui vont nous attaquer. Quant à notre main gauche, c'est elle qui va gérer les bonus offensifs ou défensifs. Pour cela, il suffit de les attraper dès que possible pour les activer. Parmi eux, il y a entre autres un aspirateur de tir ennemi, des boucliers, des météores, mais aussi des bonus spécifiques à chaque niveau. Dans le premier stage, par exemple, vous allez pouvoir manipuler un yo-yo, dans le second stage, une trompette, dans le troisième, une tronçonneuse, etc. C'est donc avec ce véritable arsenal que l'on va parcourir le mode campagne, tout au long des 5 niveaux aux thèmes bien définis que propose ce jeu, et tout cela dans 3 niveaux de difficulté. Chacun se terminera bien sûr par un boss, pour lequel il faudra mettre en place une stratégie. Une fois ce dernier battu, cela va débloquer le niveau suivant, mais aussi quelques bonus, comme par exemple de nouveaux skins d'avion. A ce stade, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'ambiance. Le tout fait vraiment penser à un mélange entre Space Invader pour le style graphique et Parodius pour la fantaisie et le côté loufoque des ennemis. Côté gameplay, on peut difficilement faire plus simple. Comme je le disais tout à l'heure, tout se passe en room scale. On peut donc se déplacer pour aller au corps à corps afin d'utiliser les divers bonus comme la tronçonneuse. Bien sûr, plus l'on s'approche, plus on prend de risques. Il faudra donc maîtriser l'esquive. Pour détruire les cibles, on tient tout simplement un avion dans la main droite, il suffit donc tout simplement de viser et d'appuyer sur la gâchette supérieure droite pour tirer. Il est aussi possible de tirer des missiles, pour cela on maintient le bouton à quelques secondes avant de le relâcher. La main droite quant à elle attrape les bonus et on les utilise avec la gâchette gauche. Pour la partie technique, côté graphisme, je dois dire que j'ai beaucoup aimé la direction artistique, elle s'inspire vraiment bien de l'arcade des années 80. C'est coloré, ludique et vraiment vivant. C'est un jeu vraiment dynamique où il faut sans cesse bouger dans la pièce et je dois dire que j'ai été étonné de voir l'Oculus Quest capable d'animer tant de choses sans faillir. Côté sonore, là encore j'ai aimé, c'est entraînant et dynamique et une fois encore ça colle parfaitement au thème de l'arcade, on ne s'ennuie vraiment pas une seconde. Côté tracking, tout réagit au quart de tour et avec précision. On peut vraiment manipuler notre vaisseau à travers les nombreux tirs qui fusent. Pour pas faire le tout, je n'ai pas eu le moindre bug ni la moindre perte de tracking, même dans les déplacements. Pour la durée de vie. Les 5 niveaux se font en 1 heure environ dans le niveau de base, mais il est possible de rejouer dans les niveaux de difficulté les plus élevés. Dans ce dernier, le challenge fera pâlir les joueurs les plus élitistes. Par ailleurs, le jeu intègre une barre d'expérience qui monte au fur et à mesure de nos parties, c'est elle qui va débloquer les nouveaux goodies, dont les nouveaux avions. Dans ce cadre, pour un style de jeu qui propose rarement une grosse durée de vie, on reste dans une très bonne moyenne. Je précise d'ailleurs que c'est un genre de jeu qui permet une vraie rejouabilité. Non seulement on peut toujours s'améliorer sur le score, mais le jeu permet aussi de se faire des parties de quelques minutes juste pour s'amuser. A ce sujet, il faut d'ailleurs noter que les vagues d'ennemis sont générées aléatoirement. Alors faut-il acheter ou pas? Je pense que c'est un genre de jeu très peu représenté de cette façon en réalité virtuelle, d'autant plus que la réalisation est ici vraiment bonne. Que ce soit techniquement ou artistiquement, je trouve que l'Oculus Quest est bien employé, même si le choix du pixel art facilite forcément les choses. Me concernant, je suis friand de ce style graphique, et dans ce jeu je trouve que c'est vraiment bien utilisé. Comme je le disais tout à l'heure, je trouve que par certains côtés, ce jeu fait un très beau mélange de Parodius, Space Invader et quelques autres monuments du shoot'em up, tout en y incluant de façon habile la réalité virtuelle. Je trouve que le tout fonctionne plutôt bien, c'est vraiment dynamique, surtout avec les déplacements qui nous amènent très proche des ennemis. Pour résumer, si vous cherchez un bon shoot'em up inspiré d'une époque historique du jeu vidéo et que vous êtes nostalgique des jeux des années 80, ne cherchez plus, il se pourrait bien que vous l'ayez trouvé. Il est en plus proposé à un prix assez bas, c'est pourquoi je trouve qu'il serait dommage de s'en priver. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce jeu, j'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'était pas le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me partager votre avis sur ce jeu, c'est toujours très intéressant d'en discuter entre passionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner, ça vous permettra entre autres d'accéder à mes prochains tests et à mes prochains tutos. Vous pouvez aussi me suivre sur le site vr-gamers.fr, dessus j'y parle de toute l'actualité de l'Oculus Quest. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, ciao bye!